Not good. What's going on? Power's gone. Whole electrical system looks fried. Shit! What's happening? No power means we're going down. Hold tight. Will? De voir la nuit, parce que ça, elle peut le faire sans lumière. Ça, c'est bien. 40. Ok, alors, attendez, on va peut-être... qu'est-ce qu'on fait? On dort? En fait, faudrait qu'on retrouve un cycle normal. Ça serait vraiment cool. Donc, je vais me mettre devant le lit et peut-être... Et on va dépecer le machin, le lapin, tout ça, et... Qu'est-ce que je viens de retirer? Je viens de retirer la peau, on est d'accord. Pour la pince séchée. Huh. Étrange. Recycler. Peut-être qu'il faut tout faire. J'ai l'impression d'avoir... Là, il y a le boyau. J'ai l'impression d'avoir perdu... Frais, donc c'est celui-là qu'on vient de récupérer. Peau séchée, peau... Ah, peau fraîche. Ok. Peau fraîche. Boyau frais, voilà. Excusez-moi. Et la bouffe. La nourriture, la viande. Ouais, très bien. Est-ce que du mal de l'enfermement? C'est un peu chiant, ça. C'est un peu chiant. Je crois qu'on va aller pêcher. On est à 22%. Je pense qu'on va aller pêcher. Est-ce qu'on a de quoi pêcher déjà? On a 3 hameçons. Par contre, on n'a pas de quoi faire du feu. C'est un peu le problème en fait. C'est emmerdant. Parce qu'en fait, il nous faudrait, bah, du coup, elle veut pas vouloir casser une chaise ou deux, là. Pour pêcher, hein, bien sûr. C'est juste pour pêcher le demain, quand il fera beau. Genre, non, on veut pas travailler sans lumière, c'est bien ce que je pensais. Alors, on va dormir. Bon, après, comme j'ai dit, c'est pas très grave. Parce que... Ce qu'on va faire, c'est que... On va y aller. Voilà. On a mangé. 406, 7 heures, 7 heures. On va faire un tout petit peu plus. Là, je mange en avance. On va dire. Enfin non, je dors en avance. Pour avoir un... Une sorte qu'on se réveille la journée. Là, c'est ce que je fais. Hein. C'est seulement ça, ce que je fais. Mais on pourrait largement attendre de plus être empoisonné. Ben voilà, le risque de parasite est déjà parti. Et remanger, en fait, une nourriture infectée. Oh putain, non. Oh, fait chier. Ah, starving. Oh merde. Ah, il fait même pas jour en plus. Ah, il fait même pas jour. Oh oh oh. On a moins 50 degrés. Pff,
Ouh la vache. They say I hate being cold. Because I really do. Arrête de crier. On est à l'intérieur. Putain, 50 degrés. Bon. On va faire ça. Et quand il va faire jour, on va casser des chaises et tout ça. Je pense que peut-être on peut déjà. Je suis pas sûr. Un truc qu'on peut faire, c'est faire un igloo, dormir à l'extérieur, etc. Donc c'est pas très grave. On a assez de ressources pour survivre le mal de l'enfermement. Il n'y a pas de problème. Bon, très bien. Chup, chup, chup. Je suis en train de me dire, est-ce qu'on prend l'eau ici? Parce que je crois qu'on l'a pas prise. Il nous reste 2 litres. Je sais pas. 2 heures pour 5. 4 heures pour 6. 3 heures pour 8. Non, 2h30 pour 8. Là, ça vaut le coup, ça. Le mal de l'enfermement est à 43%. Quand on a le mal de l'enfermement qui augmente, ça veut pas dire qu'on est pas, on est fou, hein. On n'est pas encore fou. On est tranquille, on est encore bon. Faut que ça soit à 100%. Et après, c'est 24 heures. Ok, alors Dame Nature, tu vas te... Hein? T'es d'accord? Parce que là, c'est quand même un peu abusé. Attendez, on va aller prendre de la... Des morceaux de bois, là, si on peut, vite fait, parce que... Oh, c'est joli, en plus. Hein. Ça dessine des patterns. Ça dessine des jolis patterns de vent. Et voilà. Right, I can't feel my feet. Oh putain, arrête de plaindre. Bon, là, Dame Nature... Vous voyez, on vient de dire qu'on allait pêcher. La Dame Nature, elle a dit non. Elle a fait un gros non dans le ciel. Elle s'est dit, tu vas pas pêcher maintenant. Tu pêcheras quand je te le dirai. Ok, ça s'est calmé. Ok. Donc là, ça va, c'est bien. Parce que ça veut dire qu'il va y avoir plein de bois par terre, logiquement. Oh putain. T'es sérieux? Moins 32, ça va pas la tête. Vous voyez, là, les bois, ils y étaient pas tout à l'heure. Enfin, je crois. Non, c'est trop encore. Il faudrait qu'il nous fasse au moins 15. Moins 15, ça va. Parce que moins 32, vous voyez que... En fait, il faudrait un lance-flamme pour faire du feu. Et là, on serait bon. Là, on pourrait pêcher. Mais moins 30, non. Non. Je vais pas faire moins 30. 2h30. Je suis en train de demander est-ce qu'on mange ou pas. Pour éviter de trop perdre de vie. Mais bon, ça va. On va se débrouiller. Voilà, très bien. On a 41%, ça va. Ça augmente doucement. Au début, en fait, j'ai l'impression que ça arrive avec un taux... Ça commence pas à 1%. Ça arrive avec un taux de pourcentage genre élevé. Genre 30 ou 40 direct. Et après, ça augmente genre très peu. Genre 1% par heure, peut-être. Un truc comme ça. Là, on a tout pris. Ok, donc on va avoir un problème d'eau, là, par contre. Donc, on va pêcher. Là, il faut quand même pêcher. On est d'accord. Il faut pêcher. Et faire de l'eau. Ah! C'est un peu mieux. Ah, c'est un peu mieux, là. C'est un tout petit peu mieux. Alors, c'est où notre camp? Que je me gourre pas. C'est là, ok. On va le faire le plus... Oh là, attends, putain, à chaque fois, ça me fait mal au ventre à chaque fois quand je la vois tomber comme ça. On va le faire là, c'est le plus proche. Le problème en fait avec cet endroit là, bon c'est le plus proche certes, de notre camp hein, je parle. De notre camp, donc c'est le top. Mais,
C'est aussi sur le chemin d'un ours qui habite vers là. Là, il y a la grotte. Et des fois, il y a des packs de loups qui se baladent. Voilà, là, par exemple, il y a un loup en face. Donc, c'est pas magnifique, magnifique, mais bon. On se débrouille. Alors, attendez. Ça m'étonnerait, mais... Non, 0%, ok. Tu veux pas me faire un coup de soleil, s'il te plaît? S'il vous plaît, coup de soleil. D'accord. Ok, ça va, j'ai compris. J'ai compris. Pas de soleil. Alors là, à la limite, on pourrait... Non, maintenant, j'ai allumé la torche maintenant. Ce que j'aurais pu faire, parce que il fait pas extrêmement froid, ce qu'on aurait pu faire pour optimiser enfin, en fait, le gain de temps par rapport à la chaleur, par rapport au feu, c'est de d'abord casser le trou, faire ouvrir le trou pour pêcher. Et normalement, on devrait être bon. Et après, faire du feu. Parce que là, on peut résister encore. Voilà. Ça suffira normalement. On n'est plus malade, donc on peut... On va faire ça. On peut manger... comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle ? La viande contaminée, là, c'est pas grave. Alors, attendez, hop, ça... le feu, on a... Enfin, l'eau, on n'en a pas besoin encore. On va directement pêcher en premier. Puis après, on va faire... On va cuire ce qu'on a récupéré et on va faire un peu d'eau. Alors, ça se passe bien. Ta-ta-ta. C'est de la merde... Trou de pêche sur glace vidée. Terrible. Ah, terrible. Faut qu'on aille à un autre. Aussi, j'ai tendance à pas regarder quand ils sont vidés. Enfin, je vais trop vite, en fait. Donc, c'est dangereux de faire ça. Cuire, 30 minutes... Alors, du combustible, fondre. On va faire un peu d'eau et on va essayer de changer de trou en fait, tout simplement. Par contre, on va peut-être manger. Alors, qu'est-ce qu'on va manger? Tac, 500. 200, on va manger ça. On va manger ça. Les petits en fait. Celui-là. On va tout boire. Torche, niveau torche, ça se passe comment? Parce qu'en fait, on va prendre torche sur torche. Là, on va essayer. 70, ok, ça va. Je vais faire juste encore un litre. Voilà, 3 litres d'eau, on est bien. Ah, commence pas. Commence pas. Pas me faire le coup, t'es fatigué. Ok, 22%. C'est pas top. Hop, 22, 25. Très bien.
Allez, go. Oh la vache. Oh merde. J'aime pas ça, je me rappelle jamais dans quel sens. Oh, c'était une connerie ce que je viens de faire. On est où là? Ok, terre. Ah mais terre, mais on est où? C'est marrant ça. Ah, je crois qu'on est parti sur la... la droite de ma position, c'est-à-dire... vers l'autoroute. Vous savez où c'est qu'on était allé quand on change de zone. Ah merde. Mince, je voulais aller à une... Attendez, on va changer de torche. Moi, je voulais aller... Ah, on est rentré à la maison. Aller encore pêcher. Mais je crois qu'au final, on peut dire... ouais, non, on va pas pêcher. C'est pas grave. Ça m'embête. Qu'est-ce qu'on fait avec le feu? On le garde? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un peu d'eau? Parce que bon, là du coup on a un feu, on a utilisé une allumette, donc autant l'utiliser, vous voyez ce que je veux dire? Autant en profiter quoi, mais ça fait chier parce qu'on est à l'intérieur là. Ah, je pourrais faire du feu à l'extérieur en fait, je suis bête. Prends. Moi ouais, je pourrais faire du feu à l'extérieur en fait. Et je crois que c'est ce qu'on va faire. Oh yeah. That's a good one. Ça. Non, attendez, 25%. Torche brûlée. Ta ta ta. Du coup, on va faire du feu à l'extérieur en fait. Après, on finira ça demain. Est-ce que j'ai des choses à poser? Alors, j'ai 25 minutes, faut un peu se bouger aussi. Pour sécher ça, on la garde. Sécher ça, on la garde. Oh non! J'ai oublié de récupérer. Je crois que j'ai... Aurais-je oublié de récupérer la peau du lapin et les boyaux? J'ai fait la viande, ça oui, je l'ai mangée. Mais aurais-je oublié de les récupérer quand je les ai posés par terre? Ou alors... Ouais. Ouais. Oh merde, oh putain. Oh, on y retournera un jour ou l'autre, pas grave. 16-32. Prendre torche. On peut
peut faire un feu à l'avant. Ce qui est sympa aussi de faire des feux comme ça, c'est que ça vous montre votre expérience. Donc à la limite, c'est pas grave. Enfin, c'est bien. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis plus à l'abri. Ah, là, je suis à l'abri. Faire du feu. La torche, elle est un peu basse, par contre. Ça risque d'être dangereux. Il va falloir, si ça loupe, vite la jeter et prendre une autre. Mais alors, ultra vite. Ouais, ça m'embête un peu, là. Merde. Ah, putain, on avait pris... On avait une peau et un boyau. Bon, ça arrive, c'est pas grave. C'est pas très grave. Hop là. Alors, j'ai jamais fait de feu comme ça, ici, en fait. Alors, je sais pas si c'est bien protégé ou pas. On va voir un peu, on va passer un peu de temps à faire de l'eau, vite fait. On en a 16%, il reste combien? Il reste 17 minutes. Hop, 30 minutes. On va voir, on va faire une heure d'eau, un truc comme ça. En fait, un peu pour passer la moitié de la nuit, en fait, tout simplement. Voilà. Ouais, il fait assez chaud. 2 heures. Bon, il fait pas de vent, donc on peut pas vraiment tester est-ce que c'est protégé ou pas. Moi, je suis protégé. Mais je crois que je suis protégé que de l'arrière à cause du bâtiment. Je sais pas si la station service, en fait, où c'est qu'on récupère l'essence, est-ce que ça nous protège de l'avant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça ma question, mais bon, pas grave. On a ça, on a ça. On va boire un tout petit peu. De litres. Je vais attendre qu'elle soit très très fatiguée, genre la moitié de la nuit, et après on dort 10 heures. Et on est tranquille. Ah oui, une chose. Voilà. Ça c'est 500, ça c'est 800. On va manger ça. Ah, très bien. Ah, du vent qui se lève. Ah. Attendez, si on fait ça, il y a trop de vent. Pouvoir. Ah, que quoi que. Yes. Huit cents, c'est largement suffisant. Voilà. Donc, bah voilà, on a la réponse. On n'est pas protégé. Je pense qu'on c'est vers l'avant. Quand le vent souffle de face, ça protège pas. Je pense que ça marche comme ça. Genre la position dont j'étais. On est à 5% du mal de l'enfermement, donc on n'a pas pêché, mais on a très bien joué, hein, quand même. On a très très bien joué. Faut le regarder comme ça. On a fait de l'eau en plus, on a perdu quoi? Une allumette. On a récupéré un poisson, on a récupéré plus de nourriture. Enfin, peut-être pas de nourriture, mais en fait on a tenu, on n'a pas vraiment perdu grand chose, on a gagné, enfin voilà. Donc c'est positif. Tant que on fait des journées comme ça positif, tout va bien. Ok, voilà, on a une bonne réserve d'eau, je suis content. On a encore 1 litre à bouillir. La tige, il y a le bois, il faut qu'on le pose. Ça se passe bien, oh, je suis content, c'est des bonnes journées ça, c'est cool. Jeter tout, hop. Les petits bois aussi, même s'il n'y en a que deux.
Ça faudrait les préparer. Ah, je vais peut-être en préparer un peu là. Je vois pas pourquoi elle le ferait, mais. Voilà. Je sais pas. Je sais pas. Je vois pas pourquoi. Mais voilà. C'est fait. Est-ce qu'on fabrique? On va fabriquer 15 minutes. On va attendre que la lune soit bien au milieu en fait. Voilà. Tac. Ça souffle, hein, ça souffle fort. Voilà, encore un peu. Après, il faut voir le poids. Bah, tiens, on va vérifier le poids. Alors, on va manger ça en une fois, 805. Ça, comme j'ai dit, hein, il faut les manger en une fois. Hein, parce qu'on va pas faire petit à petit, parce que sinon on va crever. On va s'empoisonner la vie. Alors, 0,85 par 17. Ok. Là, ça fait 0,25 par 5. Donc, ça serait plus lourd quand ils sont préparés, j'en déduis, c'est ça? Ouais, c'est embêtant. C'est pas grave. Ouais, bon, elle est très fatiguée, donc on va y aller, on va y aller, on va y aller. D'abord, on boit. Normalement, je mange en premier, mais là, là, j'essaye de pas gaspiller des calories, en fait. Voilà, très bien. 10 heures, parfait. 10 heures ou 11 heures? 10 heures. Oh, I could eat anything right now. Nous nous levons. J'aime bien quand elle me crie dans les oreilles du bon matin. Presque midi. Presque midi, doit être à peu près 11 heures. J'aimerais bien qu'on trouve un moyen de savoir l'heure, ça pourrait être cool. On a 1% d'infection. Donc on est bon. Enfin, risque de parasite, 1%. On a 9%, c'est bien. Du coup, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va crafter. On a 66% de vie. On va crafter, on va finir nos moufles. Et nous allons... Je sais pas trop. Je ne sais pas trop. Alors, j'utilise l'hameçon pour éviter d'utiliser, en fait... le kit de couture, parce que le kit de couture est beaucoup mieux quand on répare les vêtements. Donc du coup, bah voilà. Alors... Et hop là. Et ça, on les jette. Alors ça, ce sont des bons gants. On va les garder. On les met là. Hein. C'est pas des mauvais gants. C'est des très bons gants, donc on les garde. Nous avons les moufles. Moins 5%, mais on a 2%. Ça, c'est très bien. Alors par contre, ce qui est emmerdant, c'est pour les... Ah, on peut pas encore les réparer. Mais les réparer, je crois qu'il faut... Je crois qu'il faut des boyaux. Si je me trompe pas. Je crois qu'il faut des boyaux. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait construire encore? On a... Il faut encore deux loups. Il faut tuer encore deux loups. Et on a deux pots de serre. Mais je crois pas qu'elles soient... Bah si, si elles sont prêtes. Sécher, sécher, sécher. C'est 4? Bah c'est 4 je crois. Voilà. Donc nous allons continuer un peu à travailler en extérieur. On va en fait changer, interchange. On va travailler extérieur. Ça a cassé. Travailler en extérieur. On va utiliser ça. Et après, on va aller pêcher. Parce que sinon, on va devenir fou. Vous vous rappelez. Vous vous rappelez. On n'a pas envie de devenir fou. Alors, je pense que... Petite couture, c'est bon, c'est bien. Ok, des trucs à aiguiser. En fait, voir un peu, on a 46%, on va aller pêcher pendant quelques heures, je pense. Ça, on jette.
Alors attendez, parce que j'avais regardé les outils. Alors il y a ça, il va falloir faire attention. On a un truc, on a ça, il va falloir faire attention aussi. Réparer, il faut une ferraille, ça c'est très bien, mais des outils de qualité aussi. On a deux hameçons. Est-ce que par miracle, non? Est-ce qu'on a d'autres... oui, on a d'autres boyaux séchés. Qu'est-ce qu'on fait? On y va avec deux... j'ai un peu peur en fait. On va fabriquer deux fils et on va fabriquer des hameçons. Il nous faut une petite ferraille. Oula! Ok, il nous faut des ferrailles. J'avais pas vu, je pensais qu'on en avait encore, mais apparemment pas du tout. Apparemment pas du tout. Donc ça, on peut les crafter quand on veut, c'est très bien. Alors, on va faire encore un petit coup. Parce que les kits, je crois que c'est mieux pour... En fait, ça va plus vite pour crafter. Parce que c'est des kits de couture exprès pour la couture. Mais comme j'ai dit, c'est des objets qu'on trouve, ça. Allez, on va y aller. Donc, bah, ça se traduit par pas infini. Alors que ferraille et tout ça, bon, ça va. Hop, on est à combien? On est à 31 kilos. 9,5. Ça, on est en train de le faire. Il nous faut de l'eau un peu. Juste au cas où. Voilà. Alors là, on va encore refaire le système de... On va être décalé, tout ça. Bon. C'est pas grave. Pas grave. Moins 13, très bien. Moins 13, ça va. Alors on est un peu décalé par rapport à la journée, c'est pas très très embêtant. Alors on va aller à celle-là, je crois. Ou alors celle-là. Celle-là me paraît plus proche. Oui, on va aller à celle-là. Nous allons pêcher. Alors on va voir, nous allons pêcher une partie de la nuit. Je pense jusqu'à ce qu'il fasse minuit à peu près, 1h, 2h du matin. Et on va dormir 4-5 heures. Pas plus, pas trop, parce qu'il faut pas exagérer non plus, parce qu'on va commencer à vraiment être embêté. Sinon, niveau... niveau timing, bon, il n'y a pas grand chose autour. Ah, ça va. J'entends des loups. Mais je n'en vois pas. Je pense qu'ils sont très loin quand même. Okay. Ouh! Oh, on n'est jamais allé là. Pff, putain. Vous voyez, des fois, on a des choses, on croit qu'on y est allé. On n'a pas, on n'a rien. Baisse-toi peut-être derrière. Non, là non, là non. Ok. Alors on est à moins 10. Ok, moins 10, on tente pas. Alors par contre, je suis en train d'utiliser quand même pas mal d'allumettes. Pour à chaque fois faire du feu, pêcher. Là, on a quand même consommé pas mal d'allumettes. Bon, est-ce que c'est très grave? Je veux pas dire, on en a à peu près une cinquantaine. Donc c'est pas extrêmement grave. Puis après, on a la loupe. Puis après, on a le fire starter, là, le truc pour taper l'un contre l'autre. Donc, ça passe. Mais il va falloir faire gaffe quand même. Faut pas prendre une habitude en fait de faire ça.
Genre une ou deux allumettes par jour, c'est très très mauvais ça, c'est très très mauvais. Combustible. On va faire ça. Oh, sure, I'm getting cold. Ok. Bon, il y a une tempête, mais on est protégé, ça va. On est à 23%, on va la garder. 2 heures, on va d'abord casser. Faut faire attention que le pied de biche se casse pas non plus. On en a encore d'autres, mais c'est pas une raison. Un peu pied de biche, 20%. Trou de pêche sur glace vidé. Tu vas me dire que là aussi c'est vidé dans le sens où c'est qu'il n'y a plus de poissons ou fou de moi. Ah merde. Waouh. Yay. Oh là 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 là. Comment c'est possible ça? Comment est-ce possible? Ok. Vous savez ce qu'on va faire. Celle-là. Alors j'ai un doute. J'ai un doute en fait sur l'explication du trou de... trou vidé en fait. Parce que je sais qu'on m'avait dit que normalement quand il y a écrit vidé ça veut dire qu'il n'y a pas de poisson. Mais bon là on en a récupéré un. Bon au bout de 2 heures. Au bout de 2 heures. Mais tu l'allumes ou j'appelle un lance-flamme. On va voir comment ça se passe. Si là ça nous fait la même chose ou pas, ça m'étonnerait quand même. Alors du coup, si c'est vraiment ça, j'ai un doute, j'ai vraiment un doute, hein, parce qu'on récupère quand même du poisson, pas beaucoup, mais on en récupère. Si ça, c'est vraiment ça. Ça veut dire qu'il faudra aller de l'autre côté de l'autoroute en fait. Genre de l'autre côté, c'est 55% pour faire du feu, c'est un peu chiant ça. L'autre côté de l'autoroute, c'est loin, hein. C'est quand même loin. Hein. Ça serait de l'autre côté de la zone en fait. Enfin, c'est un peu loin quand même. Mais bon, on va voir. Je pense qu'on va aller en profiter pour dormir dans la maison qui est sur la petite colline là, avec les lapins. Comme ça, on va en récupérer. Oh yeah, that's a good one. Comme là-bas là. Non, c'est où? Attendez. Ici. Comme ça, on récupère ce qu'on a laissé la dernière fois. Parce que c'est vrai, donc. J'ai vérifié, hein, j'ai bien
Starting to feel numb. Ah, il faut qu'on monte un peu la chaleur par contre. J'ai bien donc laissé la peau et les boyaux. Hein. C'est bon. Le pied de dit j'étais à 20%, on va voir combien ça l'abîme. 2%, ça va. Trou de pêche de glace vidé. Ouais. Bizarre. Damn it. So hungry. On trouve quand même des poissons. Voilà, par contre il fait froid là. J'avais pas vu. Là, j'ai perdu de la vie pour rien. C'est très limite, hein. Vous voyez que ça monte quasiment pas. Hein. Très très limite. Faire attention de pas crever de froid non plus. On a encore 2 heures. Oh merde. J'espère que ça va être suffisant et j'ai un peu peur là. Du froid en fait. Toi je peux plus rien mettre là en eau. Hein. En eau, en carburant. Ça va, ça va, ça va. Ça a l'air d'être bon. Le feu est suffisant, ça va. Man, I'm not sure I can carry much more. Là, ça se calme un peu. Enfin, pas vraiment en fait. I wonder if I can drop any of this gear. Ah, par contre, je suis en train de... Ouais, parce que là, on a créé un nouveau bidon, non? I need to find a place to rest. Qu'est-ce qu'elle m'a créé pour contenir le carburant, en fait? Ça? Ouais, je crois que c'est ça. 0,11. Ouais, je crois que c'est ça. On va voir. Ah merde, il fait déjà jour. Oh putain. Je suis complètement à la ramasse. J'étais tellement occupé à regarder le temps, le froid, le machin, j'ai même pas fait gaffe. 0,15. Ouais, c'est pour ça qu'il faudrait garder en fait le bidon quand on va pêcher. Comme ça, elle met tout dans le bidon, dans le jerrycan. Mais bon, c'est pas grave, on remplira la... On peut la remplir avec ça. C'est pas la lampe, c'est pas grave, grave. Mais bon, c'est embêtant. On a encore 1 heure de feu. Looks like I made it through another night. Fallait dormir d'urgence. Quelques-unes comme ça on n'aura pas besoin de les créer. Allez, on va. Allez, c'est bon, on y va. Sinon elle va mourir de sommeil. J'ai pas non plus envie qu'elle crève de sommeil, parce que ce serait un peu con quand même.
Alors on va pas sprinter parce que sinon elle va se fatiguer encore plus. On sprintera quand on sera à la maison. On va passer, j'ai envie de passer par là, c'est plus safe quand même. Et bah demain on a qu'à aller, ah mais j'ai pas de bois. Ah peut-être qu'on cassera du bois. Peut-être, peut-être. Et on ira pêcher là-bas. Oh il y a un lapin. Je vois un lapin au loin. Faut que tu tiennes un peu, encore un peu, ma petite Torres. Pas que tu t'évanouisses ici, parce que là, tu... Là, si tu t'évanouis, c'est mort, hein. Là, tu gèles, là. Donc, reste cool. J'ai tellement envie de sprinter. Je sais, il y a du bois, on va pas le ramasser. Parce que là, toutes les millisecondes qu'on perd, c'est un pas de plus vers la mort. Quoique, je pense qu'on peut les ramasser, mais bon, quand même, on va pas tenter. Passer par l'avant. Misanthrope. Oh putain! Elle m'a fait peur, cette conne! Elle m'a fait peur, cette conne, à faire. Oh, connasse. Ok, on est bon, on est bon. Putain, c'est de la merde, hein. Un peu pourri, hein. Sept cents, une fois un peu plus. Ah, très bien. Faire dormir. 11 heures. Parfait.